Eh bien salut à tous, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour l'édition 3 du Gentleman Driver Day. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un rassemblement de passionnés automobiles avec des exposants et des visiteurs. Le rassemblement est basé à Beaucroissant vers Grenoble. Il y a une variété de voitures hors normes, vraiment il y aura de tout et ça c'est super et ça c'est ce que j'adore surtout. Donc ça a été créé par des passionnés automobiles et merci encore, grâce à vous on peut participer à ce genre d'événement sur Grenoble et ça vraiment c'est exceptionnel. Donc là moi je suis arrivé un peu tôt. Regardez, il n'y a pas beaucoup de personnes encore. On arrive, il y a des exposants, etc. Petite galarde OSE. Et voilà, tout le long de la journée, je vais vous filmer un peu toutes les voitures qu'il y a. Il y aura donc une variété. Je vais vous filmer des voitures rares, des voitures exclusives. Après, le but aussi, c'est de présenter un peu tout. Et je pense aussi, je vais vous faire un tour complet de l'événement avec un petit peu de musique, des plans, etc. Et franchement, ça va être exceptionnel. Merci encore aux organisateurs, c'est un travail de fou. Alors, j'étais pas allé à la deuxième édition parce que j'étais au Luxembourg. Mais pour ceux qui s'en rappellent, moi j'étais allé à la première en RCZR. Moi j'ai trop kiffé, vraiment, c'est les termes. C'est kiffé tout simplement les rassemblements automobiles. On nous a donné un gilet. Je veux tout simplement placer les voitures. Donc ça c'est vraiment cool pour aider justement les organisateurs. Et là vraiment, ça va être exceptionnel. Vous n'êtes pas prêts? Allez, on continue. Alors, tranquillement. Vu qu'il n'y a pas encore de voiture, je peux vous présenter cette petite Gallardo SE. Il y a seulement 250 exemplaires dans le monde. C'est la numéro 005. On a un gris juste magnifique. Et vraiment, la Gallardo, elle est incroyable avec son V10 atmosphérique. Ses jantes de 19 pouces. Le design est incroyable. Le petit logo Lamborghini. On a un intérieur en cuir. Waouh! Exceptionnel. Les palettes sur le volant. Et la magique, le V10 Lamborghini. Exceptionnel. C'est vraiment incroyable. Et la forme de cette voiture, moi, je la trouve juste sublime. On commence par une Lamborghini. Ça peut que mieux débuter. C'est juste assez ouf. Je suis trop content, vraiment. Je vais vous filmer le maximum de voitures que je peux. Et puis voilà. Regardez, ça commence à arriver. Super sympa. Nous, on va placer les voitures. Comme la M2. Allez, c'est parti. Ça commence à arriver. Il y a des petits trucs sympas. Regardez la Evo derrière moi. Incroyable. Mais vraiment, il y a des pépites de partout. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Ok les gars, donc là j'ai terminé un peu ma mission de garer ou de guider tout simplement les exposants de leur voiture. Donc là je vais vous faire donc un petit tour de ce qu'il peut avoir. Il y a de la supercar, il y a de la muscle car, il y a de la classic car, il y a vraiment pas mal de trucs. Ça va être incroyable, je vais tout vous montrer en détail. Donc regardez, je vais vous faire une petite vue de l'ensemble, mais ça commence à se remplir. Il y en a vraiment pas mal. Il y a un côté pour tout, mais c'est vraiment varié comme je vous l'ai dit. Et c'est vraiment incroyable. La journée est extraordinaire, c'est juste fou. Toutes les voitures qu'il y a, toute la variété, c'est incroyable. Donc là, on arrive au coin vraiment des supercars italiennes, allemandes, anglaises, un peu de tout. Et donc là, on a le stand donc, de Motortech et de ME Autosport qui sont venus avec une R8 V10, une Gallardo Superleggera, Nissan GTR Black Edition, une Pista, une 488, on l'avait vu au premier GDD. On a aussi une M4 compétition et aussi le gang des JDM avec deux GTR et une Supra. Ensuite, on continue. Donc là, on a une 4C, 4 cylindres en boîte automatique. On a GT3 RS en phase 2, pas mal du tout, avec l'aileron en carbone en bleu, Miami. On a ensuite l'i8, donc ça c'est le moteur hybride, je l'avais vu à Voiron aussi, très cool. On a une 488 Spider, bleue aussi, qu'on a vu pas mal de fois à Grenoble avec ses petits détails carbone, très sympa. Donc là les voitures se sont remplies, donc Gallardo toujours, Huracan Evo Spider, celle de crawl, pas mal. On a une F355, très sympa aussi, 360 Modena, très très belle. Ensuite, on a une 488 GTB, super cool. Et vous avez aussi une California T, donc turbo, en décapotable. Une 348 TB et une 550 Maranello, très très classe. Je vais vous montrer l'intérieur. Regardez la boîte manuelle, incroyable. Et il y a les gants aussi, vraiment très très classe comme voiture. Donc le 12 cylindres, il est encore chaud de la voiture. Ça, c'est la pépite, on va dire. Elle est incroyable. Ensuite, là, on a un petit line-up de R8, une V8,
une V8 aussi, et là on a une V10. Alors il y a une petite différence, c'est qu'en fait les V10, elles ont qu'un seul pot ovale, et une V8, elles ont un double. Regardez. Le V8 et le V10, il y a bien une différence. Et là on a une petite 911 décapotable, très très cool, en 991. Et on a une autre 4C grise, jante grise. Ah, par contre la config elle est vraiment cool. Là le petit logo quadrifoglio verdé. Donc ça c'est pour les gammes sport de chez Alfa Romeo. Est vraiment super sympa. Je vais vous montrer les petites parties là-bas. Là au moins, avant que ça se remplisse, je vous montre un peu tout ce qu'il y a. Et donc là on attaque avec la plus grosse partie, là où il y a tout le monde garé. Donc il y a vraiment de tout. Là, regardez, de la Mégane, de la Camaro, de la Corvette, de la Mustang, de la Porsche, encore de la Mustang, de la Porsche. Il y en a vraiment pas mal. Clio 3RS, Camaro, Clio GTI, la Shelby. Ça, c'est vraiment cool qu'il y ait une variété de voitures. C'est exceptionnel. Je connais l'organisateur et il a fait venir beaucoup, beaucoup d'Américaines. Donc, c'est normal si vous êtes à Beaucroissant et que vous croisez des Américaines. C'est son kiff et vraiment, je peux comprendre. Moi, je suis plus voiture anglaise personnellement, mais quand même, là, ça ronronne fort. Regardez, chargeur SRT, le GTI A35, une M5 F10, pas mal du tout. La MX5 que j'ai présentée sur la chaîne YouTube, Civic Tipper. Regardez aussi de la Mustang, RS4 RABT très rare, la Camaro, une petite BM, Cupra. Oh, une 430 qui vient d'arriver et une Murcielago, d'accord, ok. Super sympa. Vraiment très très cool. Ah, le petit duo est sympathique. Ensuite, série 1, encore un coin BMW. Celle-là, je l'ai présentée sur la chaîne, incroyable. Vraiment, il y en a plein 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 plein. Dodge Viper qu'on a vu à Voiron, pour ceux qui m'ont suivi sur Insta. TTRS, RS3, R32 aussi. Ouais, il y a tellement de voitures. Regardez les gars, si ça c'est pas beau, si ça. Donc là on a une Murcielago verte, jante noire qui est incroyable. Elle est juste magnifique, je pense que c'est une des plus belles du GDD. Jante noire étriée, gris, super sympa. Regardez l'intérieur, intérieur noir sur piqûre vert qui ressort avec la config. Exceptionnel, palette sur le volant. Et donc là, on a le fameux V12 atmosphérique. Et c'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. C'est beau. C'est... Les deux garés là, V10, V12. Elle est incroyable. Bon les gars, on s'est un peu éloigné du rassemblement. Mais regardez, il y a une voiture incroyable juste devant moi. Une Aston Martin Vanquish volante. C'est très rare. Donc volante, c'est pour le terme décapotable. Mais waouh, elle est incroyable. Donc, les entrées d'air sur le capot, une de chaque côté. On a une lame en carbone, incroyable. Le petit logo Aston Martin. La configuration, elle est tellement classe en gris. C'est tellement super joli. Regardez, pour ce qui est des jantes, on a des jantes 20 pouces avec un étrier Aston Martin en jaune. On a des rétroviseurs carbone, incroyable. La capote en noir. Pour ce qui est de l'intérieur, on a des surpiqûres blancs sur les sièges. Et regardez cette console centrale. Waouh, c'est juste assez fou. Et donc, à l'arrière, on a une sorte de petit béquet, un petit espace pour faire rentrer l'air. Et donc là, forcément, c'est un V12. Et là, vous avez une sortie de chaque côté avec un diffuseur en carbone. Waouh, elle est exceptionnelle. Vraiment, je suis trop content. Et elle est trop, trop classe. Vraiment, je trouve ça trop, trop cool d'en croiser une. Dommage qu'elle n'ait juste pas venue se garer avec les autres.
mais vraiment elle est incroyable. C'est vraiment super sympa. Il y a des petits départs, hein, parce que ça reste jusqu'à à peu près 13h, donc les gens partent un peu plus tôt. Mais franchement, en termes de voiture, on est vraiment servi, il y a de tout, et ça j'adore. J'essaie vraiment de tout vous filmer, et vraiment c'est exceptionnel. Le GDD, c'est un événement à ne pas louper, et c'est incroyable. C'est juste fou, toutes les voitures qu'il y a. Je suis content, et je suis très content aussi de vous sortir une vidéo comme ça. Bon là, on passe au départ des voitures. Regardez, il y a une petite Evo qui va arriver. Incroyable, petite rareté. Puis c'est la 5K2 Alpine à 110. RS6 C7. C7, performance. Compétition.
j'avais pas fait d'accès. La M5, mon Dieu. Y'a que le C15 du Seigneur, mon voisin. Regarde, ouais, c'est, ils partent tous. Ah, j'ai pas filmé. Oui, ils ont failli se taper dedans. Si, regarde, c'est une hybride. Bon, c'est un 3 cylindres, mais c'est un hybride. Ça marche quand même. C'est un dédou, quoi. Là, t'as un V8 émis. Oh!
la fin de la vidéo, enfin de l'événement sur le GDD numéro 3 à Beaucroissant. J'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de filmer le maximum de choses que je pouvais, les arrivées, les départs ou même quelques voitures que je trouvais sympathiques à filmer. Là, il n'y a plus grand chose, vous pouvez voir, ils sont tous partis, le terrain commence à se vider. Moi, j'ai super bien kiffé. Encore félicitations et merci à toute l'équipe qui a organisé donc l'événement GDD. Je pense que l'année prochaine, ils le referont. Mais en tout cas, c'était exceptionnel. J'espère aussi que la petite vidéo vous aura plu, les petits plans avec la musique, tout ça. Et puis voilà, donc vous faites comme vous voulez. Soit vous vous abonnez, soit vous likez, soit vous commentez. Moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut !